que la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne regarde pas, monsieur. Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars. Dites, oh, tu aimes ça, la musique? Musique? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner. Tu connais la musique? Et tu sais compter? Tu sais compter au moins jusqu'à deux. Vous n'aimez pas la musique? Si, mais la vraie, pour la musique de cinq. Salut! Merci d'avoir choisi la bande-son, votre rendez-vous avec la musique de film, la plus grande actrice de cinéma. À retrouver en podcast sur toutes les plateformes dédiées et diffusé bien sûr en direct chaque lundi à 20h sur Jet, en FM à Nantes sur le 91.2 et en DAB+, et en replay le jeudi à 10h et bien sûr sur jetfm.fr. À l'affiche aujourd'hui, un réalisateur américain qui s'est fait un nom durant les années 90. On lui doit des plus grands films de serial killer, deux des plus grands films de serial killer, notamment Seven, sorti en 95, et Zodiac, sorti en 2007. Je vois tout de suite, je vois que vous devinez de qui il s'agit. Et aussi une série, Mindhunter, auquel la bande son série a d'ailleurs consacré un numéro toujours disponible en podcast. Son premier long était le troisième volet de la saga Alien, sorti en 92, qui a longtemps dérouté les fans, mais qui est largement reconnu aujourd'hui. Spécialiste des thrillers, on lui doit aussi le très bon The Game, sorti en 97 avec Michael Douglas, et Panic Room, sorti en 2002 avec Jodie Foster et Jared Leto, et le sous-estimé Gone Girl, sorti en 2014 avec Ben Affleck. Fight Club, enfin, en 99, est sans doute son film le plus atypique et considéré aujourd'hui comme un véritable objet culte pour toute une génération. Et puis citons aussi